Alex Nissa du 06 encore. Nice l'a emporté contre l'OM, mais que ce fut laborieux offensivement, et c'est une hérésie de jouer avec Laborde et les droits, et pas un vrai spécialiste du poste. Ben oui, mais encore faut-il l'avoir, le vrai spécialiste du poste. Et puis t'as Terence Moffi, qui est quand même, jusqu'à preuve du contraire, le gros investissement du club, qui doit jouer avant-centre. Je sais pas trop quoi penser de Nice. C'est sûr qu'actuellement, ils sont dans une phase défensive tout à fait remarquable. 4 buts encaissés en 8 matchs, c'est fantastique. Maintenant, il est évident qu'au niveau du jeu, c'est très, très, très pauvre. Et que je pense que ça va coincer contre des petites équipes qui vont les attendre à 10 derrière et qui vont arriver, comme ce fut le cas de Lyon ou de Brest d'ailleurs, à arracher les matchs nuls. Mais bon, compte tenu des ambitions du club revues à la baisse en début de saison, c'est quand même un début tout à fait intéressant. Alexandre Nadalojo, penses-tu que Lille est dans le... Que penses-tu de Lille qui est dans le coup au classement, mais qui pour moi n'a plus la magie dans le jeu de la saison dernière? Comment expliques-tu avec un effectif qui n'a pas tant changé que ça? C'est vrai que je me régale pas à avoir joué Lille cette saison comme je me régalais à avoir joué la saison dernière. Cabella est un petit peu moins bien. Ounas est toujours entre... toujours dans une longue phase de reprise. Et c'est surtout le problème, c'est Jonathan David qui est l'ombre de lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mis à part tirer les pénaux, il est plus capable de marquer un but, ni même de peser dans un match. Et il a l'air un peu aussi démotivé d'être là, donc et absolument pas de concurrence à son poste. Donc c'est compliqué. Alexandre Nadalojo encore. Quand on voit la dynamique négative de l'OM depuis plusieurs matchs et un Lyon dans un état encore plus cataclysmique, ton avis sur l'Olympico de dimanche prochain? C'est sûr que bon, l'ambiance sera extraordinaire, le stade sera plein, parce que la rivalité va revigorer un petit peu tout ce petit monde, mais la dynamique négative de l'OM, je la trouve relative parce que je trouve quand même ce qu'ils font plus intéressant de Gattuso et là qu'avant Marcelinho. Donc je pense aussi qu'ils ont perdu des matchs difficiles hein, à Monaco et à Nice. Mais je pense que sur la durée, ça peut peut-être un petit peu, se remettre plus ou moins en place. Je serais évidemment plus inquiet pour Lyon. Anatole du 49, comprenez-vous la réaction surprenante de Didier Deschamps au micro de Bertrand Latour après le match face à l'Écosse en interview, après le match, après que le journaliste ait donné la note de 3 à Kamavinga? Moi je trouve ça bien qu'un entraîneur vole au secours d'un de ses joueurs. Moi je lui ai mis 4 à Kamavinga. C'est vrai que j'ai trouvé que après son match catastrophique en Allemagne, ça fait 2 matchs où il sous-performe clairement en équipe de France. Mais voilà, Deschamps protège ses joueurs et moi je trouve que c'est plutôt bien. Et puis ça a donné lieu à une scène télévisuelle de plutôt sympa. Donc, franchement, on va pas faire des histoires pour un truc pareil, quoi. Antoine Lucho, que pensez-vous pour le moment de Gennaro Gattuso? Pensez-vous qu'il puisse être l'homme de la situation? Personnellement, je l'aime bien. Ben moi aussi, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. C'est aussi, tu sais, même pour un entraîneur, l'œil est important. Et ce que tu vois de lui montre une vraie proximité avec son groupe, une vraie. Et puis moi, je trouve que même si les résultats sont pas extraordinaires, je trouve que ça joue mieux qu'avec Marcelinho. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, pour l'instant, sous-performent clairement. Et je veux dire, même un très très bon entraîneur, si t'as des joueurs qui, d'un point de vue individuel, te mettent dans le tombeau, c'est compliqué. Mais je suis plutôt optimiste pour Gattuso.
Diffeux me dit, avec une affiche OL Clermont à 21h en Ligue 1, la Ligue 1 ne touche-t-elle pas le summum du ridicule? Là, ce problème, c'est qu'on est toujours dans un double problème. D'abord, la répartition des matchs entre Canal et Amazon, c'est-à-dire que c'est Canal qui a le premier choix après le top 10 décidé en début de saison par Amazon. Donc, Nice-Marseille était le choix de Canal samedi soir. Après, tu as un autre facteur, c'est les équipes qui sont engagées en Coupe d'Europe et qui doivent, pour la plupart, ne pas jouer le dimanche. Lens a joué le vendredi, Paris a joué le samedi. C'est-à-dire que une fois que tu as ça, il te reste pas grand-chose, quoi. Après, effectivement, c'est peut-être aussi un petit peu un choix d'actualité avec le mauvais classement de Lyon. C'est vrai que, à titre perso, me farcir Lyon-Clermont dimanche à 20h45, j'aurais de loin préféré regarder Rabbi Jacob. Bien vivre, me dit, je sais que tu n'aimes pas faire de la politique, mais là, ça touche aussi au foot. Pourquoi est-il si difficile pour les footballeurs et politiques de condamner un acte horrible, un pogrom sans nom, les vies juives vaut-elle moins que celle du petit Naël? Alors évidemment, là, on a un message qui prend clairement parti pour la cause israélienne. J'aurais pu aussi, et j'en ai eu pas mal, de choisir un message qui prenait fait et cause pour les Palestiniens. De toute façon, j'ai 60 ans, ça fait 40 ans que ces gens se foutent sur la gueule. Et surtout, je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a à la tête de ces deux États des gens qui ne veulent pas la paix. Et quand tu ne veux pas la paix, tu fais la guerre, comme ça, tu es sûr de ne pas avoir la paix. Après, on ne va pas se mentir, il y a évidemment infiniment plus de footballeurs de confession musulmane que de confession juive. Je sais même pas s'il y a un footballeur juif actuellement en Ligue 1. Je crois pas. Donc voilà. Mais encore une fois, rien n'interdit à des footballeurs de soutenir les victimes en Palestine. Mais encore une fois, en prenant bien soin de ne pas dédouaner le Hamas des atrocités qu'il a commises en Israël. GW me dit, que penses-tu de l'adaptation de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille, mauvaise pioche? L'occasion qu'Obama à Nice, c'est pas mal joué, hein, ce petit ballon piqué, vu le retour de Dante, voilà, il le pique, ça va sur le poteau, ben voilà, c'est pas de réussite. Il sortait quand même d'une saison extrêmement compliquée avec Chelsea. Voilà, je pense encore une fois que le problème ne réside pas dans le fait du niveau d'Aubameyang, mais du fait qu'Alexis Sanchez ne soit plus au club. Et ça, c'est quand même une très très lourde erreur du club de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour garder Alexis Sanchez.